des vendanges à Clermont-Ferrand début octobre, en habit d'apparat, des compagnons du Bousset d'Auvergne, aux couleurs de la vigne et du vin, le vin des Côtes d'Auvergne, hier à la table des rois, aujourd'hui appellation d'origine contrôlée. Le banc des vendanges, c'est une tradition qui remonte aux Mérovingiens. Le banc vin, c'était le droit pour le seigneur, donc, de disposer de la meilleure partie de la vendange, alors qu'il laissait le reste aux manants. Ce banc des vendanges a été aboli le 28 septembre 1791. Et après, ça a été confié au maire de la commune de décider de la date des vendanges. Un rôle dévolu aujourd'hui aux seules instances viticoles, en fonction de la maturité idéale des raisins. C'est dans le prolongement de cette grande histoire que le maire de Clermont se voit aujourd'hui offrir du vin et de belles grappes par les compagnons du Bousset d'Auvergne. On fait la promotion de chez nous des Côtes d'Auvergne qui ont une qualité qui a fortement progressé depuis maintenant 15 ans. Et ils ont un secret, ces vins. Et le secret, il faut aller le découvrir chez nos viticulteurs, dans leur cave. C'est le seul moyen. Actuellement, on peut vraiment servir sur sa table sans rougir, sans rosir ou blanchir, hein. Des Côtes d'Auvergne, c'est vraiment quelque chose qui est à découvrir. Il y a de quoi, c'est vrai, combler bien des palais. Le guide Achète des vins décerne aujourd'hui, chaque année d'ailleurs, d'élogieux coups de cœur à des Côtes d'Auvergne.